tard. Parce que moi, je vous parle. Moi, j'ai assisté. Oui. Mais je crois qu'il a. Toi, oui. On était ensemble avec. Avec Raymond, avec mon mari. Et Stéphane, non? Non, je ne crois pas qu'il y avait Stéphane avec nous. Il y avait le Paris Match était venu de Paris, à tout un groupe de Paris Match. On leur avait même donné des chapeaux de paille à tous pareils. Et ils avaient tout, on reconnaissait les gens de Paris Match à leur chapeau de Panama. Ils étaient tous là, bien placés. Et moi, j'étais avec Raymond. Et je dois dire, je sens encore la terre qui tremblait sous mes pieds quand on a la fusée est partie. On avait envie de tomber en arrière. C'était tellement une émotion, mais on était suffoqués du choc qu'on ressentait à travers tout le corps. La terre tremblait. Mmh. Et on était quand même à un kilomètre, peut-être, de l'engin en question. C'est très extraordinaire. Je crois qu'il était aussi là. Mais, mais peut-être pas en même temps que nous. Peut-être pas au même endroit que nous. Oui. Il était. Je sais qu'il était. Ça, c'était dans les années 60. Hein. Ah, mais ça ne faut pas me demander les années. Ah non, bon. Mes années sont trop nombreuses. Bon, est-ce que vous vous rappelez quelque chose de drôle avec Stéphane? Ah, oh. Je sais. Il faisait un article, je crois que finalement ça a pris la forme d'un article. Un instant. C'est Stéphane de la mafia. Tu te rappelles? Oui, c'est bon. Les caïds, ou l'article. Oui, c'est ça. Les caïds de New York. C'est avec Jean-Pierre, oui. Mon beau-fils. D'abord, il a écrit un article sur c'est la ça, caïds. Oui, moi, j'ai participé un tout petit peu pour trouver des informations tout en faisant très attention pour ne pas.